Bonjour, mes chers amis. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient. Merci pour votre fidélité, vos likes et abonnements. N'hésitez pas, bien sûr. Eh bien, aujourd'hui, on va voir un thème qui est perspective s'ouvre à moi. Eh bien, très intéressant. On va voir la carte principale, les détails et les conseils des cartes également. Eh bien, je choisis trois tarots différents. Vous pouvez choisir en fonction de tarot ou tout simplement le chiffre 1 ou 2 ou 3. Eh bien, on va regarder la carte principale. On va voir les détails, quelles perspectives s'ouvrent à vous. Eh bien, on va voir quel sera le résultat pour vous, donc dans votre vie, quel changement ça va provoquer. Et la carte de conseil, eh bien, le tarot numéro 2, eh bien, la même chose, on va regarder la carte principale, donc les détails. Abonnez-vous si vous n'avez pas encore fait, mettez un like. Pour ne pas rater les prochaines vidéos, il y a le tirage tarot pour chaque mois, pour chaque signe astrologique. Et bien sûr, la carte de conseil. Éventuellement, s'il y aura les questions, on va compléter donc avec les cartes pour voir les réponses. Pensez un petit peu à vous, à votre vie. Posez vos questions. Peut-être on va voir les réponses maintenant. Donc, c'est possible. Eh bien, on va voir le résultat. Pour la carte numéro 3 et la carte de conseil. Eh bien, je commence la carte numéro 1. Et tout de suite, une très jolie carte, vous savez, c'est les perspectives qui s'ouvrent à vous par une union, c'est possible, que ça peut concerner votre vie amoureuse. Donc, dans ce cas, peut-être vous allez rencontrer quelqu'un. Un homme, une femme, donc avec qui vous allez avoir des sentiments, peut-être donc vous mettre en couple, c'est possible, ou peut-être votre relation amoureuse, il va évoluer, vous allez avoir des rencontres amoureuses, vous pouvez peaufiner votre relation, donc vous avancez dans le futur, ou si ça concerne votre vie professionnelle, c'est possible aussi que vous trouvez un accord, donc peut-être par une négociation, vous avez de nouveautés, c'est possible que vous pouvez signer également un accord, donc un contrat, peut-être une grande commande, mais vous avez cette ambiance, vraiment, donc une bonne ambiance qui vous permet d'avoir des perspectives dans le futur. Eh bien, on va voir les détails. Qu'est-ce que les cartes souhaitent nous montrer? Eh bien, très intéressant. Alors, je dois vous dire que je vois ici que peut-être dans votre vie, vous avez eu une période quand vous étiez en attente des perspectives qui s'ouvrent à vous. Et peut-être ça vous inquiétait un petit peu et vous vous posez des questions. Qu'est-ce qui m'attend dans le futur? Quelles perspectives je peux avoir? Comment ma vie peut changer? Et je vois quand même ici qu'il y aura des nouvelles rapides, des propositions. Donc, il y aura vraiment cette rapidité donc, qui va se passer dans votre vie. Donc, des événements soudains, vous devez vous adapter, donc prendre des décisions. Je vois ici que vous commencez une nouvelle étape dans votre vie. Vous savez, c'est quelque chose d'assez global. Donc, c'est pas qu'un petit projet, c'est vraiment des changements que vous pouvez avoir, des nouveautés, mais un grand départ. Vous savez, ça peut concerner votre vie professionnelle ou votre vie amoureuse, mais c'est pas sans risque. Vous allez vous poser des questions. Qu'est-ce qui m'attend dans le futur? Est-ce que je vais réussir? Par exemple, avec ce poste, avec ces nouvelles responsabilités, mais vous devez vraiment prendre ce risque pour changer votre vie. Donc, ce que je vois ici, mais je pense que vous allez accepter parce que ici, je vois aussi que d'ici là, vous allez avoir des projets pour votre futur. Mais ici, c'est vraiment plusieurs projets que vous pouvez avoir par rapport à ces changements qui arrivent dans votre vie. Donc, voilà, dans votre vie générale. Et vous savez, c'est vraiment assez large, global. Le monde s'ouvre à vous. Tellement de choses. Après, vous pouvez vous permettre et vous allez voir qu'est-ce que vous souhaitez réaliser dans le futur. Eh bien, je vois quand même qu'ici, la période d'attente, quand vous sentez victime, ça se termine. Donc, il y aura vraiment des nouvelles perspectives et vous commencez vraiment cette nouvelle étape dans votre vie. Eh bien, je vais voir qu'est-ce que cela vous apporte, qu'est-ce que vous devez savoir.
Ah, vous savez, vraiment, attention, parce que ces perspectives, ils seront vraiment peut-être même un petit peu prédestinées, parce que donc il y aura des changements globaux. Vous savez, peut-être il faudra se battre aussi. Vous devez faire attention aux gens qui sont à côté de vous, parce qu'ils peuvent utiliser tous les moyens pour peut-être donc avoir ce poste, ces perspectives à votre place. Donc vous devez savoir cela, prenez cela comme un investissement. Mais après, après cela, je vois quand même que vous avez des changements globaux. Vous savez, peut-être votre ancienne vie se termine, mais vous avez ces nouveautés qui arrivent en même temps. Eh bien, c'est quelque chose karmique, ça va vous perturber. Vous n'allez pas avoir la même vision pour votre futur, pour votre vie, tellement ça sera vraiment important. Mais en même temps, ça peut vous réveiller. Eh bien, je vois quand même que cette nouvelle départ, ce nouveau départ que vous avez dans votre vie, ça va vous lancer dans le futur, ça va vous donner plein d'énergie, motivation. Et avec votre initiative et votre détermination, vous allez faire tous ces changements dans votre vie et avancer vraiment dans le futur. Et toutes ces perspectives, ça va vous permettre également de perfectionner votre vie. Et si ça concerne la vie professionnelle, vos compétences, vous allez montrer de quoi vous êtes capable, même en faisant attention à tous les détails, vous allez vraiment montrer votre professionnalisme, capacité, donc votre caractère. Donc voilà, mais vraiment ces changements, donc globalement, balle rapide que vous avez, on ne peut plus vous arrêter, tellement vous avez envie donc d'avancer dans le futur. Et bien voilà, vous savez, c'est quand même assez important ce qui peut se produire dans votre vie. Et vous savez, ça peut concerner de tous côtés votre vie professionnelle. Dans ce cas, après, vous pouvez avoir des changements globaux aussi dans votre vie de famille, parce qu'attention, vous pouvez aussi déménager, donc c'est possible que peut-être il y aura des perspectives même à l'étranger. Mais peut-être aussi dans un endroit que vous ne connaissez pas, peut-être une ville, une région, mais même un autre pays, c'est possible. Et vous déménagez, c'est comme ça vous provoque des bouleversements totaux. Eh bien, la carte de conseil, comment vous devez vous comporter? Je pense que la carte, ça me montre que vous pouvez avoir encore un peu de temps d'attente, patience. Dans ce cas, peut-être pensez un petit peu à votre vie, qu'est-ce que vous souhaitez réaliser donc dans le futur, comment vous souhaitez avancer, faites votre plan. Et c'est aussi un petit peu la carte de vacances, je pense que peut-être donc la guidance, ça c'est un petit peu prenez du temps un petit peu pour vous en ce moment, pour vous reposer, pour vous ressourcer avant que tous ces changements donc globaux arrivent dans votre vie. Et après, vous devez vraiment agir, vous adapter, ça va demander beaucoup d'énergie donc de votre part, mais votre vie peut changer globalement, donc préparez-vous à cela. Donc voilà, peut-être vraiment votre destin, vous allez réaliser peut-être votre mission, mais quelque chose de très important dans votre vie. Eh bien, je vous souhaite profiter vraiment de ces perspectives qui s'ouvrent à vous, la réussite, bonheur, amour, et n'oubliez pas, le destin vous appartient. Eh bien, la carte numéro 2, donc qu'est-ce que nous devons savoir? Alors ici, je vois que peut-être, donc dans le passé, vous avez eu peut-être des pertes financières, donc il y a eu la situation difficile que vous pouvez avoir. Eh bien, je vais voir les détails. Qu'est-ce que les cartes veulent nous montrer? Comment ça peut être évolué? Eh bien, très intéressant, vous savez, donc si vous avez eu donc la situation difficile donc dans votre vie, donc le destin, la vie va vous donner la chance pour surpasser cela. Eh bien, je vois quand même qu'il y a de très belles cartes, par exemple la carte de gagnant. Donc voilà, vous pouvez voir, il y aura vraiment la victoire, le succès qui vous attend dans le futur. Vous devez être orienté vers cela. Donc voilà, et je vois quand même que c'est peut-être perte, des difficultés, vous pouvez avoir financière ou tout simplement votre fatigue, peut-être épuisement, donc des difficultés dans votre vie, eh bien ça se change. Donc voilà, vous allez trouver la solution. La vie va vous donner des opportunités pour vraiment réussir et dépasser tout cela. Et je vois aussi une carte qui montre que vous pouvez perfectionner votre travail, votre vie en général. Donc eh bien, si ça concerne le travail,
travail et vous avez eu des difficultés, peut-être vous avez perdu le travail, c'est possible, eh bien, la vie va vous donner des chances de vous montrer, peut-être avec un nouveau poste, des nouvelles perspectives qui s'ouvrent à vous. Mais vraiment, faites attention à tous les détails, montrez votre perfectionnisme, professionnalisme, vos compétences, de quoi vraiment vous êtes capable, montrez votre maîtrise, donc ce que vous avez par rapport à votre métier, votre profession, et vous sortez comme un gagnant. Et les autres vont voir cela, tellement ça sera important. Donc, cette victoire, il aura de l'aide aussi de la part de quelqu'un. Préparez-vous à cela. Donc, voilà, vous pouvez compter sur votre entourage. Je pense qu'il y a des bonnes personnes qui peuvent vous soutenir, vous orienter un petit peu, donc vous conseiller. Donc, c'est tout à fait possible. Vous pouvez aussi développer votre situation financière. Justement, si vous avez eu des problèmes, eh bien, avec ces nouvelles perspectives qui arrivent pour vous, donc il y a l'arrivée de l'argent. Ça peut être que vous allez gagner plus. Ça peut être de l'aide financière de la part de quelqu'un. Ça peut être aussi que vous prenez un crédit et vous faites vos projets donc dans le futur. Vous faites un investissement, mais votre côté financier, ça se développe. Donc voilà, et je vois également que j'ai un petit indice en général par rapport à votre vie, ça va vous donner beaucoup plus de satisfaction et je vois aussi que ça me montre que peut-être votre situation actuelle, ça ne vous satisfait plus. Et vous avez besoin d'avoir plus de choses, plus de perspectives, réussite, satisfaction dans votre vie générale. Ça peut concerner premièrement donc votre vie de travail, mais en même temps votre vie de famille. Donc en général, vous allez chercher donc cette satisfaction, vous allez voir comment vous pouvez améliorer votre vie et profiter de ces perspectives qui s'ouvrent à vous. Mais c'est vraiment la carte très positive qui me montre que vraiment vous êtes orienté vers le futur et vous cherchez donc les meilleures choses pour vous. Et vous savez aussi un autre indice, je vois ici donc l'énergie de Madame. Eh bien peut-être donc Madame, ça c'est vous et ça peut concerner éventuellement votre vie amoureuse, ces perspectives qui s'ouvrent à vous. Dans ce cas, vous pouvez peaufiner quelque chose dans le futur, votre vie amoureuse voulue, donc votre vie de couple. Vous pouvez avoir des changements parce qu'il y a la carte de gagnant, et c'est-à-dire que vous arrivez vers la réussite, ce que vous souhaitez faire dans le futur. Et donc, je vois quand même que vous êtes quelqu'un sensible, romantique. Pour vous, les sentiments, les émotions sont très importants, et je pense que vraiment, les perspectives dans le futur, ça va jouer sur ces sentiments que vous pouvez développer dans le futur. Ou dans la vie de monsieur, il y a cette dame qui va jouer un rôle important, c'est peut-être la femme que vous aimez, ou il va apparaître dans votre vie, et comme ça, vous pouvez changer votre vie avec l'arrivée de cette dame, et vous allez donc avoir plus de sentiments, il va vous apporter le bonheur. Donc, ce que vous avez besoin maintenant, ce qu'il vous manque, peut-être vous êtes aussi cette première carte, ça me montre que vous pouvez être un petit peu isolé, seul, ici, si ça concerne votre vie amoureuse, eh bien, vous pouvez bien développer donc votre vie de couple avec cette personne qui arrive, donc c'est possible. Eh bien, qu'est-ce que cela vous apporte? Qu'est-ce que nous devons savoir? Eh bien, très intéressant. Alors, préparez-vous, vous allez avoir un peu de concurrence donc dans votre vie. Voilà, et aussi, si vous avez eu donc un temps d'attente, quand il y a eu des événements qui ne pendaient pas de vous, et vraiment vous étiez donc dans cette vie qui ne changeait pas, vous attendez ces changements, donc la meilleure situation, donc c'est tout à fait possible. Eh bien, ça se termine. La vie va vous donner des chances de montrer vos capacités, de vous battre vraiment pour quelque chose meilleur qui vous attend dans le futur. Mais c'est vraiment la carte positive, c'est-à-dire que vraiment peut-être il y aura des propositions dans votre vie, des perspectives, et vous devez vous montrer vos envies, vos désirs, vos capacités. Il y aura plein de rêves pour le futur. Alors des projets, des rêves, comment vous souhaitez changer votre vie, donc ces perspectives qui arrivent, vous devez compter sur votre intuition. Je pense que vous allez peut-être voir donc dans votre vie des indices, des signe, la formation qui arrive. Donc, c'est possible, peut-être même des rêves qui vont se réaliser. Donc, faites attention à cela. Ou aussi, ça me montre que peut-être dans votre vie, il y a quelqu'un qui peut vous aider, vous conseiller. Donc, c'est tout à fait possible. Nous avons vu que le roi de l'aide par rapport à ces perspectives. Vous pouvez demander des conseils de cette personne. Elle va vous orienter. Et attention, j'ai aussi un petit indice que peut-être en ce moment, par rapport à votre vie, des difficultés que vous avez, si vous êtes seul, c'est possible, vous êtes un petit peu en état
état d'apathie, quand il n'y a rien qui vous fait rêver, et peut-être, donc vous ne savez pas qu'est-ce que vous souhaitez dans le futur, comment vous ne voyez pas cette meilleure vie qui vous attend, c'est possible. Attention, vous pouvez rater des opportunités qui s'ouvrent à vous. Donc avec cet état d'esprit, mais il y a de belles choses qui vous entourent, donc il y aura des propositions, il y a des gens sur qui vous pouvez compter, et vous devez faire attention à cela. Donc voilà, profitez, même si vous êtes en ce moment en état d'attente, profitez pour ces moments de liberté pour vraiment vous faire plaisir, éventuellement rencontrer des gens que vous aimez, analyser votre vie, qu'est-ce que vous souhaitez faire dans le futur pour peaufiner. Ça se trouve que vous allez changer vos projets. Si vous n'arrivez pas de quelque chose, la vie ne vous donne pas cela. Vous allez changer vos projets, vous orienter vers d'autres choses, vous allez avoir les meilleures réussites. Donc voilà, mais je vois quand même ici que après cette concurrence, ces perspectives qui s'ouvrent à vous, vous allez rêver comment vous souhaitez changer votre vie. Ça va vous donner beaucoup d'idées, donc des désirs. Eh bien, comment vous devez vous comporter? Regardez, vous devez être orienté vers la stabilité dans votre vie, la situation confortable. Donc c'est-à-dire que quand vous pouvez vous permettre beaucoup de choses, vraiment vous faites plaisir. Peut-être voilà, pour chacun c'est individuel, mais ça peut être juste des petits plaisirs. Donc, quelque chose que vous aimez jusqu'à la situation quand vraiment vous avez la prospérité. Donc, dans votre vie, vous pouvez faire des grands investissements, des grands achats. Vraiment, vous avez cette sécurité dans votre vie. Vous devez être orienté vers cela. Et vous savez, c'est un petit peu aussi le symbole d'une femme qui a cette vie, qui peut-être pour vous, messieurs, va vous donner ses ressources. Et même la femme que nous avons vue au début, elle peut vous inspirer dans votre vie pour le futur. On voit qu'avec elle, vous allez chercher les meilleures vies, les meilleurs sentiments qui arrivent. Eh bien, voilà, peut-être vous devez être orienté vers cette situation stable, peut-être voir aussi comment votre relation amoureuse, vous voulez la stabiliser, donc changer un petit peu. Donc voilà la guidance des cartes pour vous. Eh bien, je vois quand même que votre vie change. Si vous avez une des situations difficiles, préparez-vous à cela, peut-être leur en concurrence, mais vous allez avoir votre résultat et vous aurez vraiment envie de changer votre vie, aller vers le positif. Eh bien, je vous souhaite beaucoup de réussite dans votre vie, bonheur, amour, et n'oubliez pas, le destin vous appartient. Eh bien, la carte numéro 3. Et tout de suite, je vois quand même l'énergie d'un homme. Eh bien, je vois quand même que, donc, les perspectives qui vont s'ouvrir à vous, ça va vous donner plein de sentiments, sensations, émotions. Eh bien, je vois quand même que ça peut concerner la vie amoureuse parce que ici, vraiment, vous êtes dans les nuages. Eh bien, peut-être pour mesdames, il y a ce monsieur qui va arriver dans votre vie. C'est possible, quelqu'un romantique, sensible. Eh bien, on va voir les détails. Qu'est-ce que nous devons savoir? Quelle perspective s'ouvre à vous? Eh bien, très intéressant. Alors, tout de suite, j'ai un avertissement. Faites attention aux gens qui vous entourent. Donc, peut-être, il ne faut pas dévoiler vos projets, donc votre vie à tout le monde. Donc, voilà, juste un avertissement. Mais sinon, après, j'ai des très belles cartes pour vous qui me montrent que, donc, déjà, j'ai l'énergie de madame. Vous êtes quelqu'un qui est orienté vers la stabilité, donc le confort dans votre vie. Et le côté financier, c'est très important pour vous. Donc je pense que avec les perspectives qui vont s'ouvrir, vous pouvez vous permettre d'améliorer votre vie vers cette situation de sécurité, peut-être même la création de la famille. Eh bien, je vois également que il aura bien le résultat qui vous attend. Mais c'est la carte de prospérité, c'est tout à fait dans vos énergies. Donc je pense vraiment que votre vie peut changer vers le positif. Et cette situation, quand vous pouvez vous permettre beaucoup de choses. Et vous gardez également la carte de soleil. Alors vous savez, c'est la meilleure carte dans le tarot. Parce que ça montre vraiment la réussite que vous avez, le succès, vraiment le bonheur qui arrive dans votre vie, mais cette sérénité, mais la situation très agréable, confortable pour vous quand vous avez toute la famille est réunie. Mais je vois vraiment par rapport à vos personnalités, donc vous avez ce sentiment de sécurité, le confort, et vous êtes très contente de votre vie, ou peut-être dans la vie de monsieur, cette femme, il peut être votre épouse parce que c'est un symbole d'une femme qui est mariée, qui a une famille, qui vraiment organise cette ambiance à l'intérieur de la famille.
Donc voilà, elle va peut-être jouer un rôle important pour vous, donc dans le futur, et avec elle, vous pouvez avoir cette prospérité, le bonheur qui arrive. Et j'ai aussi un indice que vous devez faire tout ensemble. Vos projets, donc vous deux personnes, donc dans votre famille, vous devez tout organiser ensemble. Et avec vos efforts, vous allez avoir ce résultat. Donc c'est vraiment la carte de résultat par rapport à vos projets que vous avez commencé dans le passé. Et vous savez aussi cette carte que nous avons vue au début. Donc un jeune homme, ça peut aussi montrer votre enfant. Si vous avez des enfants, eh bien peut-être, donc il y aura des changements dans la vie de vos enfants, c'est tout à fait possible. Vous allez passer le temps agréablement, donc avec eux. Mais je vois ici quelqu'un qui est vraiment orienté vers les sentiments. Ça se trouve que c'est la vie amoureuse de votre enfant qui va changer, et donc ça va forcément vous donner beaucoup de bons sentiments, donc des émotions. Donc voilà, eh bien très positif quand même. On va voir le résultat, donc ces perspectives, votre situation, qu'est-ce que ça vous apporte? Eh bien, magnifique! Oh là là! Alors, je dois vous dire que vous allez peut-être prendre un grand engagement également. Et vraiment, ici, je vois la carte des perspectives. Alors, ça, c'est très, très intéressant parce que, vous voyez, ces deux cartes qui me montrent un nouveau départ que vous avez dans votre vie. Et peut-être aussi que, après certaines réflexions, donc les projets, des idées que vous avez pour le futur, vous prenez donc un grand engagement, la décision de changer votre vie, mais ça peut être quelque chose d'important. Et aussi ces perspectives, alors j'adore cette carte parce que c'est comme la vie qui vous donne cette chance, donc dans la vie en général, comme un cadeau, donc pour que vous puissiez profiter de cela. C'est vraiment la chance, c'est le nouveau départ quand vous pouvez améliorer votre situation financière également. Mais c'est vraiment des très grandes perspectives qui s'ouvrent à vous. Ça peut être dans la profession, que c'est un nouveau poste qui vous attend, des responsabilités. Donc, vous développez votre salaire, une grande prime, vous faites un grand investissement, c'est aussi la carte de propriété. Peut-être vous pouvez faire un grand achat et comme ça va provoquer justement le changement dans votre famille. Nous avons vu ici la prospérité qui vous attend, le bonheur. Donc, voilà, eh bien, je vois quand même de très belles perspectives. Une carte qui me montre que vraiment, donc, vous les femmes, vous devez compter sur votre intuition. Dans la vie de monsieur, cette femme, elle va jouer un rôle important. Vous pouvez demander ce conseil, il va vous orienter vers le futur, mais c'est vraiment quelqu'un qui a des connaissances peut-être particulières que d'autres ne connaissent pas, mais vraiment comptez sur votre intuition pour le futur. Et vraiment, je vois ces envies que vous avez, votre vie évolue, il y a des changements vers le futur. Donc, qui vont vous donner plein d'énergie, motivation. Et vous savez, encore un accent sur les enfants. Eh bien, c'est possible que pas tout simplement la vie amoureuse de vos enfants change, mais également, elle va se montrer quelqu'un pratique. Il y aura aussi des perspectives qui vont s'ouvrir dans la vie de vos enfants. Et même, vous savez, si vos enfants, ça peut être quelqu'un jeune, mais il va montrer vraiment le résultat qu'il a dans sa vie, qui sera un petit peu important. Ça peut être un bon poste, déjà, donc un salaire quand même bien élevé, malgré son jeune âge. Donc, c'est possible, vraiment montrer ses compétences, avoir les résultats. Donc, voilà, comme de très bonnes nouvelles. Eh bien, la carte de conseil, comment vous devez vous comporter? Il faut tout simplement rêver dans la vie. Eh bien, je vois quand même que vous pouvez avoir beaucoup de perspectives. Et je vois cette stabilité, la prospérité qui arrive, le bonheur également. Eh bien, vous devez rêver. Qu'est-ce que vous souhaitez réaliser dans le futur? Vos projets, vos envies, vos désirs. Et vous savez, même ça peut être quelque chose qui va vous paraître irréel, mais tout commence par un rêve. Et après, petit à petit, on essaye de voir les possibilités, comment on peut réaliser les choses. Et ça arrive dans notre vie. Je vois quand même pour vous, il y a des grandes perspectives qui s'ouvrent pour votre futur. Vous devez absolument les profiter. Donc, le bonheur arrive. Eh bien, je vous souhaite beaucoup de réussite dans votre vie, bonheur, amour, et n'oubliez pas, le destin vous appartient.